Before they were saving you, now they say, go yourself and save yourself. They were saving when you were working, you were bringing money. Now, the quarantine, this confinement, the money has been, the budget has been reduced. Therefore, the way of saving yourself has been reduced. Collaboration, three things. Complementarity, collaboration, and complicity. In love, which is important. Because there's some family, some couple, they really work in complementarity. Woman is working on the left, and a man is working on the right. They bring salary together. They work in a complementarity, and they make family strong. They send children in even a private school. They pay the money for the education of children because they are working in a complementarity. When I'm talking about complementarity, I'm not seeing competition. Yes. Because some couple are working, they are dwelling in competition. A woman wants to show that I am earning a lot. I am powerful than my husband. And the husband as well wants to show I am the master. I am the one I am dealing, I am in control. It is trouble. Family has to work in the complementarity. Am I clear? Yes. Because Sarah and Abraham, they were living together without child. But they were an unbalanced family. Unbalanced because they were not child. That was the reason why this couple was not balanced. It was unbalanced couple because of something was missing. They were together. You hear God say to Abraham that you have to give your husband, your wife, the name of Sarah, who was Sarai before. And the Bible said at the same time that Sarah was calling her husband my Lord. What a wonderful family. Can you see that harmony, that complementarity? That they want to say your name, I give you the name, the new name. You're not Sarai anymore. You are a Sarah to me. Like as now, I see a lot of couple, and sometimes you are jealous to hear that a couple is calling the husband, Oni. It's wonderful. It showed that there was complementarity, there was love. And not the one who come and say, Shu, I don't know the name of Shu. I mean, I heard sometimes a wife calling the husband Shu. And that one called, you are my bones, like Adam and Eve. Now when Adam saw Eve and said, this is now the bones of my bones, the love of my life. Yes. Do you understand? Are you still calling your husband the same name of love to complete what he used to call you? Do you understand? Oh, honey, baby. Baby. Eh? Babes. How do you call you what? Debu. Debs. Debu. No, it is another thing. You call Debu. Debu. Is another name you call you what? Babe. Babe. He called his wife Babe. It means a lot. When the wife here, babe, the wife is having feeling. They have to know that this is a code number. The wife can come and give keys. Because that name is powerful. Yes. But there's some, I'm not saying that, I'm not pushing you to give your wife or your husband a name. But there's some names are code. It's hiding a lot. Babe. It means a lot. And then when the my son's wife here, the name of babe, he can go in the kitchen, cook a very nice dish. Do something for, yes. It's important for us to make life very wonderful, nice in the family at this moment. Yes, you need to create, imagine how to create happiness around you, people to laugh. It's not a military camp marriage. When you wake up in the morning, someone is sitting there, putting their feet on the table, commanding, cup of tea, bread, where's my food? Cup of water. Bring me my laptop. Marriage is not like that. Marriage, I said, is a complementarity. You give to me and I give it to you. It's important. It's both ways. And then with love, peace. Marriage is not like, where's my shirt? Go to kitchen. Cook quickly. Time is up. Complementarity. Here, Abraham and Sarah, it's an example of a wonderful couple as well. Yes. That they were living in this kind of our generation atmosphere, giving wonderful names. Very polite. My Lord. When Abraham received three guests,
He called Sarah, quick, quick, go in the kitchen, bring water. Sarah will run and go and get water. But in our generation, some of us here, when the husband say, quick, Yvette, or Mary, or whatever, quickly, bring juice. Who will bring juice for you? Hear the answer from Mary. Who? Who has to bring juice for you? You put your legs yourself on the road. Go and get your juice. Mm-hmm. I don't have time. I'm busy. Can't you see I am feeding? Can't you see I am working hard? Mm-hmm. These are kind of things that is not giving peace in our family. Hallelujah. And the Bible said, when Abraham received free guests, he calls Sarah, no Sarai anymore. Sarah, and called babes, baby, honey, I've got guests, bring me the juice in the fridge. Oh, I'm bringing it on me, might be my pleasure. Yes. Now he's like, go yourself. The kitchen is there. I've already cooked food for you. Go and serve yourself. Before they were serving you, now they say, go yourself and serve yourself. They were serving when you were working, you were bringing money. Now, the quarantine, this confinement, the budget has been reduced. Therefore, the way of serving yourself has been reduced. Has been reduced. And we want to, and I want you to understand this. Couple, they are the foundation. You are the one, you are standing and giving the church strong foundation. When couple are not strong, it will shake the church as well. Yes. And every time the pastor starts receiving phone calls, pastor, come, this is not working. Because of this kind of situation, we are not making things easy for ourselves. Yeah. We make things very hard. And here, Sarah went very far. I can understand if they say, go and serve yourself in the kitchen. But Sarah here surprised me. What a management. Yes. Because there's some house, let me tell you. Hey, some women or some men, they are masters. Dictator. When they give order, you have to execute now. Some men, they are shaking when they see their wife. Yeah. Instead of being happy like Adam when he saw Eve say, this is my bones or my bone. This is my flesh or my flesh. But some men, when they see some women, they are shaking. This is the reason why Eve gave to Adam that fruit, the forbidden fruit. Because I don't know what kind of character was Eve. The Bible didn't say anything. The Bible didn't mention the character of Eve. But for Eve to pursue, to convince the husband to take the forbidden fruit, I believe that woman was a Margaret Thatcher. Very powerful woman. Yes. Yes. Very powerful. To stand and to oppose against God's principle, God's instruction, you must be powerful. Yes. Yeah. Yes. You must be strong. You stand against God's instruction and then you influence your husband to as well to break the covenant. Hey. Mm. That's why you see some women when you come to visit your friend, you stay outside. You don't get inside the house. But there's a woman, oh, they are really beautiful. When you get there, God bless you. I've seen women when she sees the husband friend say, my husband, even if he's not another, is a kind of welcoming someone. You know that is my friend's, is my husband's friend. You welcome someone. You give the chair. You take a seat. Before even you go and wake up your husband in your bedroom, you say, honey, someone, your friend is here, he wants to see you. But by the time your husband comes to the living room, he finds already you're going to save his friend. That's what I say. This kind of things that it makes couple very nice friends. And I say, complementarity. Yes. We need to complete ourselves. Not taking your PIN number, your card PIN number, you hide it. You've got a code in your mobile because you don't want your wife or your husband to see your mobile. This is, it shows that there is no complementarity. There is too much secret. I don't know how you are talking about complementarity. First. Secondly, complicity. When we are talking about complicity, there's always important. Can't your partner doesn't show complicity? It's important. When I'm talking about complicity in a marriage, in a couple, okay? When we are talking about complicity legally, complicity means, I'm sorry because I've done the law. Complicity means that you are
is the implication of someone in an illegal activity. Tu understand? There is an illegal activity. Il y a, quand on parle de complicité, on parle de l'implication de quelqu'un dans une activité illégale. Voilà, c'est ça la complicité. Example in the Bible, same couple, Sarah and Abraham. When Abraham was facing lack of food, quand il y avait la famine, là où ils habitaient, il devait se déplacer. Et Abraham va parler à sa femme pour dire, lorsque nous allons là-bas, il ne faut pas dire là où nous allons, en Égypte, que moi je suis ton mari. À cause de ta beauté, tu vas dire que je suis ton frère. C'est illégal, n'est-ce pas? C'est mentir. Mais Abraham et Sarah se sont convenus. C'est ça ce qu'on appelle la complicité. Que lorsque le foufou n'est pas bon, n'est-ce pas? Tu sens que on m'a préparé un foufou qui n'est pas correct, mais tu manges quand même avec tes douleurs parce que tu aimes. Au lieu de dire, au lieu d'appeler ta femme, Jeanne-Marie, come here. What kind of foufou did you cook for me? Did your mom ever show you how to cook foufou? Non, 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 that's not complicity. Dans la complicité, quand quelque chose ne marche pas, stay together. C'est ça la complicité. Nous allons en Égypte, mais lorsque nous arrivons là-bas, je veux déjà vous dévancer comme il avait la grâce prophétique, Abraham. Il dit déjà à sa femme, je te prépare. Lorsque les gens vont te poser la question là-bas, si tu es ma femme, dites à ces gens que tu es ma soeur. Complicité. Ils sont dans l'illégalité, mais ils vont se mettre ensemble. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certaines choses où nous nous exposons. Tu vois un homme qui a la capacité d'exposer son mari à l'extérieur. Cette femme-là, je ne sais pas comment est-ce que j'ai perdu mon argent. Je regrette pour l'avoir épousé. Là-bas aussi la femme, cette marine, je ne sais pas que depuis qu'il m'a marié, je n'ai jamais vu le médaille or. Il ne me donne jamais de cadeau. Très longtemps, il m'a amené au restaurant. Voilà le couple que nous avons aujourd'hui. Nous devons prier pour ça. Complicité, c'est être ensemble, même s'il y a une action illégale. C'est comme l'homme Adam, lorsque Dieu est venu après le péché. Adam n'a pas joué à la complicité. Il a accusé sa femme en présence de Dieu pour dire, si j'ai mangé le fruit, c'est la femme que tu m'as donné. Vous voyez, je suis sûr que c'est ce qui a donné à Dieu la colère pour dire que l'homme, je le mettrai un peu à côté pour sauver le monde, je vais travailler avec la femme. Cet manque de responsabilité. Ça, c'était la complicité. Maintenant, la collaboration. Pour finir et recevoir quelques questions. La collaboration est importante aussi. J'ai parlé de la complémentarité, de la complicité. Maintenant, je parle de la collaboration dans l'amour. Les enfants peuvent être sujets de beaucoup de divisions dans les familles. Les enfants. Papa peut aimer le premier, maman peut aimer le dernier. Mais attention, s'il n'y a pas la collaboration, lorsque maman punit l'enfant dont papa aime beaucoup, vous comprenez? Ça risque de créer des conflits. Ça risque de créer des problèmes. Oh, tous ces enfants-là, ce sont vos enfants. Collaboration. When father punish one child, mother, you cannot take a side of the son who has been punished. If you want to advise your husband or to criticize your husband, do not do it in front of your children. If there is a good collaboration, do it in your bedroom when you are together. Hallelujah. When one of you, father or mother, who went out and came back home, do not straight away, with a very good collaboration, start giving a bad news to your partner. It's dangerous. Because you don't know what your husband faced, where he's coming from, or where she's coming from. You don't know. You can give a very wrong information that your mother called me here, and your mother starts insulting me. It's a lack of maturity. You need to put collaboration together. How to deal with this kind of situation of your both side of family at this moment?
How are you coping with children who are stubborn? How are you coping with situations that are very tough? How are you coping of taking care of the house? Is only one person is taking care of the house, doing shopping, coming, clean the dish, clean the kitchen, clean the living room, clean the children, cook? No. We need to share responsibility. That's why I say collaboration, for me to be short. And in collaboration here, when Sarah was a victim of mockery from Ishmael, he looked at his the husband. Collaboration. Send them out. Send them out. And even God didn't stop it. God said, Abraham, listen to your wife, because there must be collaboration between you. Do what she said. And Agar and Ishmael has to leave. And it happened. Collaboration. Is there any of these three things in your house? I don't know. And I'm expecting your question. I'm ready to answer your question. And my son here has got some question about this. And I'm ready to hear your first question. If you got phone call, you can call. This number. Call on my WhatsApp. I will answer you. I want you to participate, please. Do not be afraid, or do not spend time or wasting your time in listening. Participate, give your opinion. How are you coping with your wife, your husband, your children during this time where you are together? Confined. You are together in confinement. God bless you. Go on. Thank you, Father, for this opportunity to come in. First of all, I think is this message was clear for you? I think it's very clear, yeah. Actually, I understand the word, because I always said something to my wife. I said that you have a grace when it comes to marriage, because obviously you and Mama Nadine always been there, because as I said, that I found my wife in this church. Amen. And then we have been growing through your words, and then the grace that God pulled up on your life and then guide me. I came from being a young man, from a church man, to a husband. So I've learned all from you. So this message for me, I feel like obviously my brother, my sisters are watching us right now. Maybe they can receive something. Yeah. Your brother and sisters, yeah? Yeah. You're not talking to your family, brothers. Family, but in general, yeah. Body of Christ. Body of Christ, yeah. So to take that, because I feel like that's a grace that God put upon you. Amen. To be an example, because I feel like, first of all, you're an example for me. Amen. So every time when I do something, my wife always say, oh, evangelist doesn't do this. So we always take you and my mind, I did as an example. So first of all, that's the first begin. So ask your question. Send us your question quickly, please. So go on. So my first question would be, regarding this guaranteed time, obviously coronavirus came in and a lot of things has changed. And then what has happened is that a lot of married women in the home are pregnant. Yeah, they are pregnant. A lot of people are due to give birth. Some people are giving birth right now. Some people are meant to give birth in the next 2-3 months. And then regarding this situation, how would the family cope towards this situation? Because a lot of people are scared, like, oh, we don't want to go to the hospital because I might die. Because even a lot of girls, they come. Hold on 1 second. Do we have a question? Is the phone call? What's that? Okay, go on. Because of this guarantor, a lot of family, a lot of women are scared. Because a lot of family are scared to go to the hospital. Be like, oh, I'm scared to go to the hospital, because if I go to the hospital, my child might die or I might catch a disease. So how would pregnant woman or husband or family act regarding this situation? Amen. Thank you very much, brothers and sisters. I received a phone call. I received a question from my son here. He's married, he's a couple as well. When a woman is pregnant, that he has to give birth. He has to give birth. And with what's happening at the moment, what's happening, it makes it harder than usual. Yeah, to go to hospital. Yeah, because some of them are scared. Like, I don't want to go to hospital because there's it can be affected. The infection can come. Anything can happen in the hospital. It's a bit of shame that, let me give the answer from my son here. It's a bit of shame that, while you're asking your question as well, please, I want you to participate, make it more live. Brother and sister from our church as well, it's important. Ask your question and let's share your opinion, your idea.
Let me give you an answer. You know, it's a shame a bit. Hospital was a very a place where people had guarantee security. That if there was anything medically, let me run to doctor. Yes. It's a shame today hospital lost that credibility. Unfortunately, I've got three answer for me to cut short to receive another question. First of all, in this society, this cannot happen in Africa, for example. But hint, this moment in this society, I heard first of all that family can come together to call the hospital so that they can prepare the maternity inside the house. They can prepare one of the bedrooms in house if it's fine. Because even if there is not security in a hospital because of what's happening, but there's no space as well at the same time. There's no space. I think the hospital can collaborate with family to use one of the room, to prepare one of the room where the baby can come in your own house. That's the first thing family can do if they want. That's the first solution. Is it okay? Second solution for me, there is ambulance. Do you understand? That a woman, when is ready to give birth, when they call the ambulance, you can do it in ambulance. Do you understand? Yes. It's another way for you to avoid to be in contact of other people or other disease in the hospital. That's a second, a bit wise solution I can give. Because here is about giving the solution, what to do. And number three, which is the worst scenario, and which is very tough to me, is because I've seen children, I've seen women giving birth in a car. The next scenario, you need to work together with the hospital, because it's a very dangerous game here. When you are giving birth, there is not a medical attention around you. Very dangerous. Do you understand? And that's why I say, it's important for us to go to the hospital, but pray. That's my last. Pray. Cover yourself the blood of Jesus. Even if you can wear a mask all of the, you will need oxygen sometime to give birth. Cover yourself, pray. Ask God protection. That's, to me, the best way. Even if you are doing home, or in ambulance, or in hospital, blood of Jesus, cover myself, my child in my womb. Let no virus, no infection come and disturb us in Jesus' name. And I believe in God. If you got faith, God will protect you. That's what I can give as advice. Is that okay? Yes. Any question? Chino, do we have any question? No? Yeah. Yes, so and my other question I was saying, when you were talking about when Abraham and Sarah, when they were living in the period where there was... Attends, nous sommes en train de parler de comment est-ce que les familles sont en train de gérer ce moment de confinement. Maman, papa, les enfants, single mothers, well. How are you coping with this? Est-ce que tu as quelque chose, une question, une opinion aussi, ce n'est pas seulement une question, que tu peux partager avec le peuple de Dieu? C'est important pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui sont perdus, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire, ils sont stressés, il y a des gens qui peuvent sortir, créer des moments, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils sont obligés de rester ensemble. Et nous avons besoin de donner à ces gens-là des opportunités. Allez-y. Je parle de Sarah et la façon que Sarah et Abraham, pendant ce moment que Dieu ne les avait pas donné avec un enfant, mais ils ont toujours été unis. Et c'est ça qui me ramène. Some people can send you a question. Maybe some of them can ask a question. That's why I want you. No. I want you to read. Some people can send questions there, written. If there is any, just keep your eye on us. Okay. Go on, because the message can come and go on. Yeah. So
and then the way the court world, ils étaient unis ensemble, ils se combattaient pas, avant ils ne disaient pas Sarah, oh, Ranchin, parce que ça. Et maintenant, en ce moment de 40 ans, ma question c'est, qu'est-ce qu'une famille unie, qu'est-ce qu'une attitude d'une famille unie dans ce moment? Comme vous disiez, on a tous le papa et la maman sont à la maison ensemble, ils ne sortent pas souvent en même temps. Comment ils doivent se comporter envers l'un l'autre? C'est-à-dire le comportement entre les deux parents. Qu'est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, comment vous devez vous comporter? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? La première chose que je veux dire, c'est important que les couples puissent savoir, c'est l'amour. Comprenez? L'amour selon Dieu, d'abord. Oui. Si dans un couple il n'y a pas d'amour, if in a couple there is no love, you will stay longer. Love is the key. Love. Love is very important. Is there any question you want to hear? Junior? Okay. Do you assign that? You can stop talking and listen to the question. Love is the key. Some people, they love each other only for money. When there is no money, love is finished. Can I say? Some love is based on material. Some love, excuse me, is based on sex. When you get what you're looking for, there is no love anymore. Some love is based on beauty, the outside. Yes, from where? Yeah, where? Oh, on my finger. Here, the limit. There's no call yet. He didn't send it. No. Someone's calling. I wanted to hear. I can hear the call from here, from WhatsApp. I can hear from, what do you call it, put a speaker. Or you can receive a call from there, hear the call and question and send it to me. If someone call and ask question, if I cannot hear from TV straight, but I can hear from you. Yes, I was giving your answer. Il y a beaucoup de mariages qui ont des problèmes parce que lorsque les gens se sont mariés, ils n'avaient pas défini très bien l'objectif de leur mariage. Pourquoi vous êtes mariés? Si vous vous êtes mariés seulement pour des raisons de l'argent, mais quand l'argent finira, vous comprenez que ce mariage ne pourra pas résister longtemps. Si vous vous êtes mariés seulement à cause des enfants, mais si les enfants ne viennent pas, comme le cas de Sarah et Abraham, l'enfant ne venait pas, mais ils étaient ensemble. C'est à 100 ans. C'est à 100 ans que Dieu les a visités. Mais des couples qui sont tellement pressés pour les enfants, peut-être quand vous atteignez 45, 50 ans, vous vous séparez, vous vous divorcez. Et pourtant, Dieu, dans son programme, avait prévu de vous visiter dans 100 ans. Donc, il ne faut pas. Et le problème, c'est définir très bien l'objectif de votre mariage. Si c'était pour les enfants, par exemple pour Abraham et Sarah, je pense qu'ils auraient pu peut-être se séparer à longtemps. Parce que c'est à 100 ans qu'Abraham a eu l'enfant. 100 ans. Vous voyez? Donc, tout dépend de la définition de votre couple, de votre réunion. Il y a des couples qui ont fait des années sans enfants, ils sont ensemble. Et ils s'aiment comme s'ils se sont aimés il n'y a pas longtemps. Is there any question there? Someone call. Pardon? Ok. Ça c'est le point important. Je voulais donner. Il ne faut jamais se marier sans connaître les objectifs, les raisons pour lesquelles vous vous mariez. Mais la grande chose, vous pouvez connaître. Hello. Bonjour. Et qu'est-ce que votre question, s'il vous plaît? Nous recevons une question et nous voulons répondre rapidement. Pardon, vous écoutez? Oui. Oui. Oui, c'est ça, oui. Oui. C'est qui viendra?
Merci. Oui, je vous écoute, papa. Oui, je comprends. Vous avez fini la question? Bien sûr. Vous avez posé la question pour savoir sur les trois éléments, la complémentarité, la collaboration et la complicité viendra de quel côté? De l'homme ou de la femme? C'est ça. Surtout que vous venez tous de différentes familles, différentes éducations. Je pense que c'est ça votre question. Oui, c'est ça. De votre télé. Je pense que c'est ça votre question. Le frère, je l'ai compris, je l'ai écouté. Il a voulu savoir. Alors c'est bon, vous avez compris la question, c'est bon. C'est ça la question. Par rapport à toi, alors il faut que l'initiative vienne de l'un d'entre vous. Je pense que c'est ça la question. Ouais. Il faut que l'initiation vienne de l'un d'entre vous parce que vous venez de différents caractères. C'est exactement ça. Merci beaucoup, frère. J'ai compris. L'initiative doit venir de qui? Laissez-moi. C'est important. Lorsqu'on parle du mariage, on parle du symbiose. Il faut vraiment comprendre le sens du mot. Mariage. Je n'ai pas assez de temps pour donner la définition ou l'étymologie du mot mariage. Mais rapidement, je peux dire le mariage, c'est l'union de deux personnes. Le mariage en tant que couple. L'union de deux personnes qui ont pris l'engagement de passer le reste de leur vie ensemble. Pour une raison donnée. L'union de deux personnes qui ont pris l'engagement de passer le reste de leur vie ensemble pour une raison donnée. Comme je dis, tout mariage doit avoir une raison. Maintenant, lorsque nous parlons du mariage, nous tenons compte de toutes ces réalités d'éducation, de compréhension, de famille, d'origine, de comportement, de caractère, d'études faites, du social aussi, parce que ça compte, parce que certaines personnes, la vie sociale influence aussi leur caractère, parce qu'il y a des gens qui ont grandi dans des familles très riches, avec un grand nom. Ils grandissent avec le ego, qu'on appelle l'orgueil de cette grande famille, et ils voient les autres trop bas. Ça aussi. Donc, quand vous rassemblez toutes ces réalités, et que vous voulez les mettre ensemble pour constituer un mariage, parce que la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Alors lorsque vous devenez une seule chair, le mariage devient en chimie ce que l'on appelle le mélange homogène. Le mélange homogène, c'est lorsque vous prenez différentes particules, vous les mettez ensemble, ça devient un seul produit. On ne voit plus papa, on ne voit plus maman, mais on voit un couple. On voit une union. Les deux deviendront une seule chair. Dès lors que vous comprenez la petite explication que je vous donne, l'initiative doit venir de deux côtés. C'est comme dans les entreprises où vous avez des actionnaires. Avant de prendre une décision, ils se mettent ensemble. C'est ça, collaboration. L'initiative peut venir de papa, mais la décision vient de vous deux. Je ne sais pas si vous comprenez. L'initiative n'est pas une décision. L'initiative, c'est juste un moyen d'amener les deux parties ensemble pour trouver une solution à un problème qui demande les avis des uns et des autres. C'est ça l'initiative. L'initiative, c'est
C'est une invitation à réfléchir ensemble pour trouver une solution à un problème délicat. Sinon, je peux résoudre seul. Mais lorsque je suis marié, je ne peux plus résoudre ou prendre certaines décisions dans mon couple seul. Impossible. Il faudra que je joigne ma femme. Ou tu dois joindre ton mari. C'est important. Comment vous devez gérer votre argent à la maison? Il faudra que vous puissiez vous joindre à ça. Je répète, dans le cadre de l'initiative, pour qu'il y ait complémentarité, pour qu'il y ait collaboration, pour qu'il y ait complicité, il faudra que les deux puissent se mettre ensemble. L'initiative peut venir de papa ou de maman, mais cela doit permettre à ces deux personnes de se mettre ensemble pour écouter les avis des uns et des autres, les considérations des uns et des autres. Cela montre aussi que nous sommes en train de nous considérer. Cela aussi montre qu'il y a l'amour et il y a, lorsque je peux prendre la décision seule, mais je fais appel à ma femme. Ceci montre qu'il y a une considération au niveau du couple. C'est pourquoi je dis, c'est un peu ça. Nous avons une autre question, n'est-ce pas? Vous avez une question, hein? Mes écouteurs pour quand je réponds, ça permet. Bonjour, pasteur Didier, merci. Que Dieu te bénisse, pasteur Didier. Merci beaucoup pour votre. Merci. Je crois que j'ai répondu à mon frère. Mon frère, l'initiative doit venir de bon côté. Yassalo. Yassalo. Bonsoir, maman Daniel. Amen. Merci beaucoup, maman. J'ai reçu la question de notre maman Daniel, qui, je répète, il y a des couples qui aujourd'hui sont obligés de rester à la maison, mais malheureusement, ils ne profitent pas de ce moment de confinement, de renforcer leurs liens. Mais ce moment, au contraire, a fait que certains couples sont en train de passer des moments de conflit où il y a les couples se battent, où il y a des échanges de paroles, même des insultes. Je voulais répondre ceci à ce couple. S'ils m'entendent, bien sûr. Ou peut-être vous connaissez ce couple. Vous savez, deux fois, en tant qu'enfant de Dieu, il est difficile de conseiller à un païen la procédure de la parole de Dieu. C'est ça le premier obstacle, en fait. Lorsque vous êtes marié à quelqu'un qui ne donne pas à la parole de Dieu une place importante. Parce que moi, en tant que pasteur, je ne peux que donner conseil sur base de la parole de Dieu. Il y a des conseillers aussi. Il y a des gens qui ont la compétence, mais qui ne se basent pas sur la parole de Dieu, qui aident aussi les couples à résoudre leurs problèmes sur base des conseils, des expériences, des thérapeutiques, comme on l'appelle. Yes. Mais moi, en tant que pasteur, parce que là, je veux répondre en tant que pasteur, mais avec beaucoup plus de tactique, parce que je ne sais pas. Ça peut être l'un des couples peut être païen ou les deux, n'est-ce pas? Mais il faudra maintenant que la parole de Dieu trouve sa place
dans le cœur pour apporter la paix. Parce que ici nous voulons la paix. Or, la Bible me dit que si cela ne dépend que de moi, de chercher la paix, surtout qu'elle complète pour dire, chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si cette parole tombe sur les oreilles et entre dans le cœur de l'enfant de Dieu, et qu'il sait que nous tendons vers le temps de la fin, il faudra que je fasse la paix avec ma femme tout de suite. Yes. Sinon, je vais en enfer. Pourquoi je le dis? Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui convainc, ce n'est pas le pasteur. C'est la parole de Dieu qui nous brise, ce n'est pas le pasteur. Yes. C'est la parole de Dieu qui nous tâte, ce n'est pas le pasteur. Yes. J'ai vu des fois des pasteurs qui vont gérer des conflits dans les couples. Mais malgré que le pasteur est là, les couples se donnent des coups. Les couples s'insultent en présence des enfants. C'était une humiliation. Je connais un couple qui dit à sa femme, un homme qui dit à sa femme, je ne te pardonnerai pas de ce que tu m'as fait jusqu'à ce que tu iras au cimetière de ma mère et tu vas, si tu ne ressuscites pas ma mère, je ne te pardonnerai pas. Vous voyez? Des choses comme ça qui sont liées avec des esprits des morts et qu'il faut résoudre un couple. La maman n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Laissez la maman tranquille, elle a fait son travail, elle est morte, elle est partie. Si les morts pouvaient revenir à la vie, elle peut se réveiller. Il dit, fils, arrête ça, moi, Jésus, j'ai déjà fait ma vie, fais la paix avec ta femme, la mère de tes enfants, et restez en paix. Si les morts pouvaient parler. Vous voyez, tout ceci, la première des choses, je vais répondre rapidement, la première des choses, c'est la place de Dieu dans nos cœurs. C'est important, la place de Dieu. Si Dieu n'est pas dans ce couple, maman, ça cherche maintenant ce qu'il y ait réunion des familles. Yes. Il y ait réunion des amis. Si il n'y a pas Dieu dedans, ça cherchera pour résoudre le problème qu'il y ait un cadeau. Il faudra peut-être que pour qu'il y ait conflit, pour qu'il y ait solution, il faudra que l'un et l'autre fassent un geste, un cadeau pour apaiser la colère. Un bouquet de fleurs, n'est-ce pas? On t'invite. Ça, c'est la manière des païens pour résoudre, n'est-ce pas, leur conflit de couple. Il faut qu'on t'achète un billet pour que tu aies en vacances. Yes. Mais lorsque tu vas en vacances et tu reviens, le problème n'est pas résolu. Oh, peut-être il faudra que tu ailles boire. Tu vas aller, il y a des couples, il sort, il boit parce qu'il est en colère par rapport. Ou il fume. Mais après avoir fumé, après avoir bu l'alcool, le problème est là. C'est ce que je dis. D'abord, il faudra que Dieu soit au centre. Parce que le mariage, maman, n'est pas le fruit, n'est pas l'imagination de l'homme ou de la société. Le mariage, c'est l'inspiration des dieux. Si Dieu n'est pas dans le mariage, vous ne pouvez pas résoudre tout avec des cadeaux ou avec des coups. La parole de Dieu est la solution. Ça, c'est la deuxième chose. Si Dieu est dedans, la deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu en cas de problème? Parce qu'en cas de problème, la Bible nous a résolu même. Lorsque tu as un problème avec ton frère, ne donne même pas ton offrande. Va résoudre d'abord avec celui qui a un problème à la maison et viens donner ton offrande. Vous comprenez? Alors des chrétiens comme ça, qui comprennent la parole de Dieu, qui a la connaissance, il va vite résoudre le problème pour que son offrande soit acceptée. Mais un païen qui porte la peau de chrétien, il va donner l'offrande et il va s'en foutre. Ça, c'est la réponse que je peux donner. D'abord, la place de Dieu. Ensuite, la place de la parole de Dieu et la prière. Trois choses, trois fois. La place de Dieu au centre, parce que c'est lui l'inspirateur, le concepteur, la vision même du mariage, c'est Dieu. Ce n'est pas nos amours, ce n'est pas nos cœurs, ce n'est pas nos feelings, c'est Dieu. Deuxième chose, la place, la parole de Dieu. Troisième chose, la prière. Si ces trois choses ne sont pas là, il n'y aura pas d'épée. Voilà ma réponse par rapport à ça. Merci maman. Voilà. Que Dieu bénisse. Merci d'être connecté. Est-ce qu'il y a une autre question? Où te confie maman? Les années de colis camion.
We're still waiting for God. S'il y a quelqu'un qui appelle, on attend votre appel. God bless you. Merci pour votre... En entendant les questions, je voulais parler. Alors si dans une famille, il y a la femme est atteinte ou le mari est atteint d'une maladie ou des symptômes, comment, en tant qu'une famille ou un mari, une femme, comment deal with it? You have to, il faut te séparer de la personne, il faut, qu'est-ce que tu dois faire? Attends. Non mais, merci, c'est une question très pertinente, hein, parce qu'on a vu... j'ai reçu la question de mon fils ici, m'a posé la question si dans un couple qui était très bien en paix et subitement l'un d'eux est affecté d'une maladie mortelle, ça peut arriver, la paralysie, une maladie mortelle qui peut être contaminée par plusieurs voies. Quelle sera la réaction de l'autre? Est-ce qu'il faut divorcer, il faut séparer? Encore une fois, je parle aux enfants de Dieu. Alors, je vais recevoir. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, papa, je vous écoute. Merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci, Frère Kadi. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci pour votre participation. Bien sûr, vous avez dit à quel moment on peut comprendre que ces trois choses sont déjà installées dans une famille. À quel moment? Dans un couple. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que même nos amis qui nous suivent ont écouté la question. À quel moment on peut se dire que dans un couple, il y a maintenant la complémentarité, il y a la complicité et il y a la collaboration? À quel moment? Merci. Je vais rapidement aller droit à la réponse parce que la réponse est simple et claire, chaude. Very short. Vous savez, c'est facile de dire à quelqu'un « je t'aime » quand tout va bien. C'est facile de dire à quelqu'un « je t'aime » quand quelqu'un met la poche et te donne ce que tu cherches. C'est facile. Mais ce n'est pas facile de dire à quelqu'un « je t'aime » quand on ne sait plus se regarder en face. Quand les problèmes, les situations difficiles viennent. Ce n'est pas facile. Le vrai amour, moi je le constate lorsque la situation devient difficile. Lorsque la relation devient intenable, lorsqu'il y a des soucis, des conflits, des malentendus, c'est dans ce moment-là que moi je me dis, ça c'est un vrai amour. Et c'est là aussi je dis, la vraie collaboration, la vraie complémentarité et la complicité, c'est lorsque il y a un problème qui a nécessité l'intervention de ces deux personnes dans le couple et cela est arrivé. Et cela est intervenu, le conflit est venu, les incompréhensions, mais vous avez arrivé à surmonter ensemble les deux sans pour autant que vous puissiez vous séparer, l'autre est au salon, l'autre dort dans la chambre. C'est au moment où un conflit s'est engagé, a pris du temps et a été résolu par vous deux, sans qu'il y ait des égratignures, sans qu'il y ait des casses, sans que les enfants comprennent que vous avez résolu un problème très dangereux. C'est au moment des conflits. Même Dieu nous teste. Même Dieu nous soumet dans les épreuves. C'est au moment des épreuves qu'on va reconnaître que vous êtes réellement des collaborateurs, papa, maman. C'est au moment où l'enfant n'écoute plus. C'est au moment où c'est au moment lorsque les gens te regardent et que et maman est venue et t'a donné l'enfant un peu dans une forme de brutalité parce qu'elle est fatiguée. Mais maman, vous comprenez? Et il y a des gens à côté.
C'est dans ce moment-là qu'on va regarder s'il y a une complicité, une collaboration ou une complémentarité. C'est dans ce moment-là. Parce qu'il peut y avoir des réactions un peu intempestives, mais contrairement à la volonté de la personne. Il arrive des fois que nous puissions poser un acte et puis regretter après. Yes. C'est dans ce moment-là, lorsque vous arrivez à surmonter cela, sans pour autant dire, les gens m'ont vu, quelle honte, elle m'a humilié, cette femme ou cette mari. C'est lorsque les épreuves viennent et que vous les surmontez. Vous dites, voilà, maintenant il y a collaboration. Mais lorsque les épreuves viennent, vous tombez, vous vous séparez, là il n'y a pas collaboration. C'est ça ma réponse. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, pas de question. Et ma question était, comme quand il y a une maladie... Que Dieu te bénisse, frère. Je pense que je vous ai répondu. Allez-y. Quand il y a une maladie... Excusez. Donc, c'est pour dire, les couples doivent être en mesure de résoudre les problèmes avec respect et considération de l'autre, à résoudre les difficultés, sans pour autant faire appel à la police, sans pour autant faire appel au casse des verres, des télévisions, il y a des... Non. Ça, c'est la barbarie. Ça ne résout pas. Surtout pas nous, les chrétiens. Donc, la résolution des problèmes. If there's another question, I am available. Yeah, ta question? C'est si quelqu'un dans le couple est tombé malade. Surtout, moi, je vais compléter. Surtout, ce qui me fait mal, les couples qui, quand il y a un problème, papa, maman, en tout cas, moi, j'en ai marre. Non, laissez papa et maman tranquille, please. Vous êtes des adultes, vous êtes mariés. Allez résoudre ce problème. Papa, maman, vous m'attendez. Si vous avez des enfants qui sont mariés, qui vous appellent pour vous embêter par rapport à ça. Il faut les renvoyer. Allez résoudre ces problèmes. Vous êtes déjà parents. Vous êtes mariés. Allez résoudre ce problème. Laissez les vieilles personnes tranquilles. Ils ont fait leur travail. Ils sont fatigués. C'est le temps du repos. Voilà. Quand je disais, si quelqu'un dans le couple est malade, comment se comporter? Parce que des fois, vous voyez, maintenant dans des couples, si une personne tombe malade, et la personne peut, la femme peut chasser le mari ou le mari se comporter différemment et attend que, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'un couple? Oh yes. Et là, il y a une question. Quand un couple, dans le couple, l'un des couples tombe malade, je peux prendre deux questions et puis on va clôturer. Ce sera pratiquement 21h dans quelques minutes. Et quand l'un des couples tombe malade et une maladie fatale, mortelle, paralysie, AVC, tout ça. Je vais répondre pratiquement. Si vous avez une telle... Is there any question? Technique? Question? We have a text that came through a message. Come again? We have a question through text message. Through text message? Yeah. Which is? Well, someone basically want to know that I want an advice for, like, let's say for a couple that they've been married for so long, with, like, when they were, like, they had a busy life working and stuff. Yes. And now they're stuck. You're loud. I want people to hear. They'll hear you. Go on. Now that they're stuck at home, they're finding out that they wasn't really in love. They couldn't see it before because they were busy. But, so now they're finding out that they were in love by routine. So what is your advice for such couple? Wow. They are already married. Yeah, married. First of all, no divorce. This question has been addressed to a pastor, not to a lawyer. I am not a lawyer. I'm not standing here as a lawyer. I'm a pastor. This question here I received through text that this couple they were working. When they're working, they were living as a couple. But because of this quarantine that they have to stay home together, they realize that they didn't love each other. And it makes me hurt. That's why I say, first of all, as a pastor, I will advise you, forget about the divorce. Because in a church, we don't allow divorce. No. We don't advise divorce. You have to stick together. Because I still believe when you get married, you do an oath. We call it oath. Le serment. Le serment est sacré. Parce que le mariage est sacré. On ne se marie pas par aventure. Si je vous dis que lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, où vous sentez que c'est le travail qui faisait que vous puissiez vous sentir que vous êtes
marié et qu'il n'y a plus de travail, le mariage devient instable. Vous n'avez pas le droit de vous divorcer. Ce n'est pas une raison valable pour vous divorcer. Non, ce n'est pas une raison valable. Même quand vous allez chez l'État, au tribunal, ce n'est pas valable. Ils vont vous renvoyer pour ce que nous appelons la réconciliation. Créer ce climat-là. Yes. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, vous devez vous asseoir pour redéfinir l'objectif de votre mariage. Très important. Ce n'est pas trop tard de faire du bien. Vous devez vous asseoir, redéfinir. Si vous n'arrivez pas à le faire, faites appel à un pasteur, un homme de Dieu, qui n'a pas l'intention de vous envoyer au divorce, mais qui a l'intention, qui a la capacité de vous aider à vous réconcilier. Parce que peut-être il y a quelque chose qui manque. Le mariage peut être facilement divisé, déstabilisé par l'ennemi. Parce que ce n'est pas le travail qui vous avait uni. Certainement, vous vous êtes vu quelque part. Vous vous êtes parlé. Je ne pense pas quand vous vous aimez, quand vous vous aimez pour arriver au niveau de ma vie, oh, tu dois m'aimer parce que je suis administrateur chez mon travail. Tu n'as pas présenté ta position administrative à ta femme. Et la femme non plus n'a pas présenté sa position sociale au mari pour que finalement vous puissiez vous décider de vous marier. Vos positions sur le plan social n'étaient pas la raison, le fondement de votre mariage au départ. Il y a eu une parole d'amour. C'est pourquoi je dis, la première des choses, vous devez savoir, pas de divorce. La deuxième chose, mettez-vous ensemble pour redéfinir le fondement de votre mariage. Je vous donne mon cas. Moi, quand j'étais marié, je ne savais pas. Finalement, quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai compris que je me suis marié à ma femme pour qu'elle puisse me soutenir de travail que je suis en train de faire de l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai compris que ma femme a été la première partenaire, à part Dieu, la première partenaire en dehors des enfants, en dehors des baisers, en dehors des cadeaux, en dehors de la nourriture, en dehors de tout ce que les restaurants, les rendez-vous, tout ça. J'ai compris que Dieu l'a envoyé à mes côtés pour être le grand support, la première partenaire de ce ministère. Et comme ce ministère ici a plusieurs enfants, elle est devenue trop occupée maintenant à s'occuper du ministère. Des fois, elle fait des choses que moi, je ne fais plus pour l'église. Elle envoie des messages. Vous voyez? Elle est en contact avec... Des fois, moi-même, le pasteur, je ne suis pas en contact avec des gens. Mais ma femme est en contact avec les mamans, les frères, les soeurs. Ma femme, elle est en train de créer des moments de réconciliation, de paix. Il met les gens ensemble. Vous voyez? Mais au départ, on n'avait pas compris. C'est pourquoi je dis la deuxième chose pour ces couples. Les mettre ensemble, redéfinissez les raisons de votre... et que ces raisons ne soient pas éphémères et vanité. Que ça soit un objectif solide comme le mien par exemple. Je ne sais pas, peut-être pour toi ça peut être autre chose. Voilà la réponse que je peux donner à ce jeune couple. Si c'est pour le sexe, vous allez vous séparer. Yes. Si c'est pour l'argent, vous allez vous séparer. Yes. Si c'est pour les enfants, vous allez... Fanika pour Naban, c'est dangereux. C'est ça. Deuxième question, deuxième raison, deuxième solution, redéfinir les objectifs du mariage. D'accord? C'est ça en fait ce que je voulais donner comme réponse. Et puis, troisième solution, il faut prier. Il faut prier, chercher la grâce divine pour que l'Éternel puisse encore une fois briser un peu certains mariages. Parce que je sais que derrière le combat du mariage, il y a aussi l'ennemi. Le diable n'aime pas voir les gens unis, vous savez. Il n'aime pas voir les gens unis. Alors il faut entrer dans le monde de prière pour que... Vous savez, l'amour aussi a des dimensions. L'amour, c'est comme un enfant. Il peut être, il peut avoir une dimension d'embryon, mais il faudra que l'amour grandisse aussi. L'amour doit grandir, c'est ça. Donc il est possible que l'amour aussi revienne et puis grandisse et puis qu'on voit encore ce couple ensemble et bénir l'Éternel. Amen. On va finir la dernière question, s'il y en a. Il est pratiquement 21h. Is there any question, any question from text?
It was a blessing for me. Let God bless you. Amen. And bless your life and bless your house, your family. Amen. And let God take care of you and your house be in God's protection. Amen. Let the blood of Jesus be with you. Amen. And have a wonderful night. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Jesus be with you. Amen. And have a wonderful night. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you. Imagine how that sounds to the Father when we say to Him, all I want is you. We live in a nation that seems to want to turn its back on God, but there's a people who are crying out and saying, all I want. I'm not after the blessings, I'm not after the things, I'm after the presence of God. All I want. Because when you get God, you get everything else that you need. All I want is you, Lord. You can seek after things but miss God. But if you seek after God, the things will come. All I want.